Mercredi, la région Guadeloupe présentait son projet de plan pluriannuel d'investissement au complexe World Trade Center de Jarry. Un programme des opérations emblématiques pour les années 2018 à 2020. Le président de région, Harry Chalus, exige le respect de la parole donnée face aux engagements présentés aux Guadeloupéens. La contribution, c'est travailler ensemble, c'est ce que nous faisons, que ce soit avec les chambres consulaires, avec la CCI, avec le MEDEF et les autres chefs d'entreprise, M. Gadarkan qui fait partie du BTP, les conseils sont les bienvenus. Je l'ai toujours dit au départ, avant d'aller aux élections, je veux travailler avec tous ceux qui veulent faire avancer la Guadeloupe. Des conseils, on peut les prendre en fonction des idées. Il y a des choses que nous, peut-être, nous ne voyons pas, que quelqu'un, le Guadeloupe lambda peut nous dire, ce soit intéressant pour la Guadeloupe. Ce qui est important, c'est que nous puissions rendre heureux notre population, faire ce que la population a besoin. Et non ce que nous voulons pour dire que c'est nous qui avions fait. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Mais ce que je dis, il est urgent de les mettre en place. Il ne faut pas qu'on attende trop parce que nos entreprises et nos populations sont en train d'attendre. La collectivité régionale veut répondre aux attentes de la population en s'attaquant aux secteurs stratégiques comme le numérique et le tourisme et faire de la Guadeloupe un territoire attractif et audacieux.